Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et Adam attend pour rentrer chez Robco dans cet épisode de Fallout 4. Toujours dans le DLC Automatron, nous allons essayer d'aller recruter, en tout cas pour moi, j'espère qu'on pourra le recruter, le mécaniste. Centre de service après-vente, Robco, c'est parti. À l'heure. Toc toc. Alors, ce chargement qui dure des plombes. Ah bah si j'avais su, eh bah je serais pas venu. M'attendez pas à ça. Ok. Vous voulez jouer, on va jouer. Ça ne me pose actuellement aucun problème. Si j'avais accès à une modification d'aspiration, j'aurais pu faire un brin de ménage. Te donne pas cette peine. Hop. Mais je suis sûr qu'Ada c'était une vraie femme au foyer. Vous allez voir, on va pouvoir avoir une romance avec. Ouais, je serais curieux aussi. Déjà, c'est piégé, la zone est piégée. S'il te plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Voilà. Si, certainement. Merci. Hop, voilà, c'est très technique. Cristal, parfait, c'est ce qu'on cherche. Et donc c'était relié à quoi? Ah, rien du tout. Je suis full, putain. Hey. Échanger, tiens. Là-dedans, non, pas là-dedans, dans l'intégralité du truc. Hop, en poids. Hop, je te donne ça. Les deux extincteurs. Le sac d'engrais que tu m'as refilé. La lame de la Zérotron, je la garde parce qu'elle est stylée aussi. Ah, elle peut plus rien transporter, quel dommage. Donc je vois pas quel était le piège, mais bon, c'est... Ça risque d'être souvent comme ça en fait. Des steam packs, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Non, je m'attendais à un peu plus de d'ennemis. Terminal défectueux. Intéressant. D'accord. Commande numéro. D'accord, c'est bizarre. Carburant pour Monsieur Andy. Col miracle. Alu. Hey. C'est avec joie que je vous aiderai si je le peux. Hop. Clé du centre de service après-vente, trop beaucoup. Bah voilà, voyons. Maintenant. C'est à moi de la prendre, voyons. T'en fais du bruit avec ta perceuse là. Ah mais c'est le garage, on est dans le garage chers amis, non? Ça y ressemble. Attendez. Commonwealth. Je pense qu'on est dans le fameux garage. Ça m'étonne quand même parce qu'on est allé assez loin. Non, on n'est pas dans le garage, c'est pas possible. On est beaucoup trop loin. Il y a clairement une porte blindée mais... Pareil, étrange.
On peut aller à un scan maintenant, voilà autre chose. Wow, wow, wow. J'ai pas compris le système d'ouverture des portes. Il y a une... Putain, c'est plus sécure qu'un abri. Oh la gueule! C'est plus sécurisé qu'un abri. Refermons la porte. Je ne peux pas. Robot en approche détectée. Ouverture des portes de sécurité. D'accord, parfait. Ça fonctionne plutôt bien. Aucun humain. Absolument aucun humain. C'est à prévoir de toute façon. Hein. Aucune signature biologique détectée. Tout est normal. Vache. Vous avez compris ? Putain, mais c'est elle qui se barre là ou quoi? Le problème c'est qu'ils vont repérer directement le manque d'énergie. Oh. Si je coupe l'énergie, ils vont me repérer directement, je pense. T'as bien du bureau de sécurité. Allons voir. Politique concernant les autorisations. Politique concernant... D'accord. D'accord. Différents protocoles. Le service après-vente Robco est parfait pour un complexe militaire. Personne n'en soupçonnera l'existence. Essayons, essayons, essayons. Robot, tiens. Non, bah non, c'est pas robot. Donc ça va... Ça peut être... Ça peut être désert. Ça peut pas être débat. Ça peut pas être public. Ça peut être behind. C'est pas behind. Ha. Ha ha ha. Ça peut pas être débat, on est d'accord. Ouais. Shield, c'est donc le E en fait, le deuxième E qu'on avait qui était là. Commande de tourelle, elle est désactivée donc c'est parfait. Commande de la porte de sécurité, elle est ouverte. Décontamination. Je dis parfois que les gens ont besoin d'un clavier pour utiliser un terminal. C'est rigolo, ça correspond pas au matériel que j'ai face à moi. Hop, on va essayer d'ouvrir ça. Ça correspond pas au matériel que j'ai face à moi. On a clairement un truc laser antibiologique. En fait, il me parle vraiment d'une arche de décontamination classique. Oh putain, c'est Ada. Oh la gueule. Ok, on a pu contourner. Bien tenté. Ok, ils font mal.
Faut que j'ai besoin de Rambo là. Bien de Rambo. Ok. Ok, c'est bon. On a suggéré. Tiens. Bzzzt. Je sais. Bras droit de sentinelle, c'est cool. Et en fait, au fur et à mesure que j'en abats, je débloque de nouvelles pièces. Ça, c'est vraiment cool. Plastron de la Zérotron, de nouveaux modules sont disponibles. Voilà. Non, ça, c'est vraiment cool, chers amis. Franchement, j'adore. Pour l'instant, ce mode est loin d'être mauvais. Ce DLC est loin d'être mauvais. Au final, ce que je pensais être un DLC un petit peu... un DLC un petit peu... mode payant. Je pensais que ça allait être un mode payant, en fait, en gros. Se trouve être un mode qui est un DLC qui est plutôt bon, hein, soyons honnêtes. Je l'aime beaucoup, après tout. Hein. Enfin, après y avoir joué, je peux vous dire que je l'aime beaucoup. Ouais. Ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais... ouais, en dehors de ça, non, c'est plutôt bien. Hein, c'est plutôt bien ficelé. Quelqu'un fait des conneries, on va punir la personne en question. Après... ici. Oui, c'est quelque chose de classique jusque-là, quoi, je veux dire. C'est pas... Non, non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Je m'attendais pas à me ressentir aussi bien, à vrai dire. Non, franchement, c'est une très, très... très, très bonne surprise. Les munitions, ça pourrait être sympa. Aïe. Les steampacks aussi, ça pourrait être sympa. Parce que si j'imagine le Lazerotron à la fin, ou le... ça y est. Le robot de la mort qui tue, ou même le Lazerotron succube, ça peut être une saloperie. Et j'ai pas forcément à avoir ce qu'il faut en quantité. Mais bon, il n'y a plus qu'à espérer. On recharge. Pourquoi j'ai été repéré? Hop, meurs! J'ai pas réussi à le toucher si. Forcément, il y en a d'autres qui vont venir. Je crois qu'ils se sont échappés. Ok, ben on y va. What the... Bon, lumière. Putain, il est agile celui-là. Hein. Putain, mais t'es solide toi. Oh la vache! Tu vas t'arrêter, oui? Ada? Ok, cette image c'est très bizarre, je lui ai mis un bâton dans le cul. C'est pas moi qui l'ai vu, hein. T'inquiète. Chambre de Lazerotron, apparemment j'avais ce qu'il fallait au niveau des Lazerotron. Ah! Ah putain, pas de steampack, que dalle.
Ah, cette haine. Verre blindé. C'est vraiment dommage. Céramique. Le contenu de la difficulté que je vais avoir à le buter. J'ai trouvé le dentifrice, c'est génial, c'est la fête. Pff, 3 2 1 Voulez-vous vous faire du mal? Prenez ces steam packs, allez-y, bonne chance. Hop, close. Ah, ça aurait été rigolo. Relais. Génial. Parfait. Commande de tourelle. Désactivée. Commande de protectron. Activer unité. Ok, ok. Deux unités sympas. Bras gauche de cérébrobot, j'en ai eu assez apparemment. Tête de l'azérotron, on portait trop de choses pour courir. Gna gna gna. Gna gna gna. Oh putain. Est-ce que j'ai des armes qui me serviront à rien? Forcément non. Ah oui, c'est vrai, j'ai toutes ces saloperies que j'ai pas pensé à mettre aussi. Bon, on va déjà voir avec ça. Des cartouches. Les cartouches, je prends. Les steam packs, j'aimerais en trouver aussi un petit peu plus. Bip agressif, d'accord. M'étonne qu'à moitié. Ils sont juste à côté de toute façon, donc. Attendez, peut-être que si je voulais, je pourrais améliorer. Ah. Vous pouvez pas encore utiliser cet atelier. Donc ça va devenir une base ici, à mon avis. Oh. Ma quête de Mr. Andy. C'est Ada ou c'est un autre ça? Bah d'accord. Ok, alors je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait Ada devant nous, mais que ce n'était pas la bonne Ada. C'est très bizarre. Ok, on y retourne. Ils vont venir ou pas? Donc ça c'était bien Ada qui n'a plus rien en fait. Qui n'a plus rien. Ada qui a plus d'armement, plus. Oh la vache. Puis-je te réparer, Ada? Hey. Ah bah non, elle s'est réparée toute seule. Il y avait un truc bien plus dur à abattre tout à l'heure. Bon, bizarre. J'aurais juré qu'il y avait un robot bien plus dur à abattre. Regardez, ah si là. S'il y a justement pas des steam packs ou des trucs du genre.
compagnie. Hop, raté. Il ne fonctionnera plus ton machin. Explose pas. Honnêtement, j'ai cru qu'il exploserait. Hop, voilà. Ah, tu me saoules à me dire que je porte trop de trucs. C'est chiant. Je peux rien virer en plus. Enfin, je sais pas, il y a des super trucs. J'ai que des super trucs. Hop, déjà ça. Est-ce que je peux prendre quand même juste pour la forme un... Oh la vache, j'en ai plus qu'à 11. Un radoé, je vais prendre un truc d'eau parce que sinon je vais pas pouvoir survivre tout à l'heure. On a plus de steam pack, hein, si on est honnête, on en a vraiment plus. Reconstruis-toi s'il te plaît. Merci. Allez, on se le fait tous. C'est cool, je me suis heal, je me demande encore pourquoi. Je me demande encore pourquoi. Hop. Pulse grenade, je vais les prendre. Ça peut être pratique, je pense. Ok, bon. Soyons honnêtes, hein, y a Crambo qui pourra nous aider. Batterie de fortune. Fortuna majeure. Oh d'accord, entrez. Ceux qui voient la référence. Ceux qui voient la référence. Hop. Non. Ça pue. Chers amis, ça pue. Putain. Je suis persuadé que le moindre tir nous fera une quantité de dégâts complètement hallucinante. Hop, vous avez vu le peu de tir qu'on s'est pris et la quantité de dégâts qu'on a bouffé. Oh la gueule. Oui. Les nouveaux modules sont disponibles. C'est parfait. Vu la quantité de fois où il nous affiche le message, je suis content parce que ça veut dire qu'il y a vraiment du contenu intéressant sur ce mode finalement. Mince, je suis coincé. Ok. On l'a vu, n'inquiétez pas, je l'ai vu, chers amis, la petite caisse ici. Il cache bien son jeu. Oh putain. La montre en or qui pèse trop lourd. Hop, voilà. Jette de la bouffe, j'en ai plus rien à foutre. Et je ne peux pas aller sous l'escalier parce que le jeu ne veut pas. Ok, bon. Oh, et tu sais que je peux y aller quand même. Hein. Espèce de jeu, va. Ah la vache, le bidon d'huile que j'ai pris en connerie, en pure connerie. Bon, je vais virer le bidon d'huile. Ou je vais virer peut-être un peu plus de trucs par là, peut-être, on va voir. Fleur de carotte. Pomme d'Andy Boy. Sanguine, steak. Oh, je suis encore full. D'hiver. D'accord, y'a rien au niveau du poids. Je vais virer un extincteur. Y'a de l'amiante dedans. Donc je virerai ça. Hop, voilà. Et si ça nous emmène, j'imagine. Ah non, porte ouvrir.
Ah non, là ça risque, on va pas le faire par là parce que ça risque de nous avoir. Comme je suis passé alors que je suis pas censé pouvoir grimper, on risque de s'être spoilé entre guillemets la chose. Quoique non, il y a bien le truc là, regardez. Donc non, il y avait bel et bien rien, donc c'est par là qu'il fallait que j'aille en fait finalement. La drogue. Moi c'est plus de la santé que j'aimerais avoir. Oh les grenades qui pèsent trop lourd. Quel con. Ok, alors, on va virer des choses encore. Hop, voilà. Même si ça prend de la place avec... Enfin, si c'est intéressant, c'est dommage. Oui, c'est sûr. Mais bon. Ça ne veut rien dire. Ah, la gueule, la gueule, la gueule, il y a plein de trucs ici. Ah, faut vraiment que je le recrute, hein. Bon. Scanne ça. Hop. Tout semble se dérouler comme prévu, monsieur. Oula, quand on dit ça, souvent, il va se passer un truc. En tout cas, ces portes sont d'un style. Eh B, on n'est pas rendu. J'aimerais la prendre. On n'est pas rendu, on n'est pas rendu. Ah dis donc, c'est même pas... Ça, ça va sûrement être la sortie, chers amis, bizarrement. Alors, vas-y. On voit ça. Hop, on attend. Il y aura bien un coup de pute à un moment ou à un autre, donc, de toute façon. Ce qui m'étonne, c'est qu'il est pas... Il soit pas revenu à la charge avec ses iBots. Mais tu vas arrêter. Hop. Alors il croit en son baratin. Mais comme il sort pas de chez lui, comme c'est un geek, comme nous tous, chers amis, comme il ne sort pas de chez lui, bah il se rend pas compte. Et c'est bête. Sans irradier, on va éviter. Voilà. Ça devrait nous avoir régénéré un petit peu. Voilà, parfait, on continue. Laser, lunettes courtes, c'est quoi ça? Un mode. Bon allez, on y va. Vous pouvez pas encore utiliser cet atelier. Ah la vache, il a plein de trucs sur lui. Ah, la gueule! Fais chier! hop. Hop. Tiens. Voilà, déjà ça. On va gagner un minimum de trucs. Toujours ça de prix. Un légendaire. Ok, lui va me tuer. Lui va me tuer. Oh putain. Oh la vache, pas passé loin. Hop.
Putain de légendaire. Mes Steam Packs sont en train de partir en fumée. Bonjour. Il y a peut-être une arme un peu plus intéressante pour lui. Attendez. Hop. Déjà ça. Hop. Et ça. C'est pas plus de dégâts que ça. Putain, lui par contre, il m'en fait. Hein. Et je n'aurais pas réussi. Il fait une quantité de dégâts incroyable. Hop. Rambo n'est pas suffisant. Rambo n'est pas suffisant. Aïe! Lui va me tuer. Voilà. Je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Oh là 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 là! On va essayer les pulse grenades d'abord. Voilà, on fait les deux. Ah la vache, je suis coincé sur un truc. Hop. Hop. Allez. Coupons-lui le bras. Oh putain, c'est dur. C'est dur. Aïe. Oh là là. Niveau santé, on est ric-rac. Mais alors quand je dis ric-rac, c'est vraiment pour... Hop. C'est pas grave, je me prends des rades. Oh, t'es sérieux, tu me donnes ça? Allez, on progresse. Ça, c'est par où? Je devrais pas être là, je pense. Un Steam Pack, j'ai bien fait de venir. Alimentation A. D'accord, pourquoi pas. Ok, j'imagine qu'il y avait un rapport avec l'électricité dans l'eau là. Et j'ai peut-être pas choisi le bon mode pour cette arme. Clairement, j'en doute. Je rêve où il avait une tête de Mr. Andy. Effectivement. C'est stylé, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé, j'aime beaucoup. Par contre, s'ils commencent à se réveiller comme des zombies, on n'est pas rendu. Ok, ça sent le boss. Oh mais putain! Hop! T'es con, Ada! T'es vraiment con, Ada! Tu passes devant et tu te bouffes le x2, quoi! Qu'est-ce que c'est qui fait ce bruit-là? Rambo!
Qu'est-ce que... Mais putain! Ada, arrête de passer devant, tu me saoules. Je suggère de prendre tout ce que nous pouvons. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. On a de la compagnie. Attention à l'explosion! Non, c'est bon. Lui, il explose pas. Alors. Ici, c'est bouché. Alors, là, il y a un passage. Que je ne suis pas forcément censé atteindre. Tout de suite, en tout cas. Oh, putain, elle m'a foutu les boules. Oh, génial. Parce que les radaways, c'est pas un problème, j'en ai une chier, mais... Même si c'est vrai que quand je prends un radaway, faut que je prenne un... Quoique, regardez, hop. Voilà. Passe vite. Oh, c'est remonté un petit peu, c'est dommage. C'est dommage. Mince, on est arrivé normalement au bout de l'épisode. Deux Steam Pack, c'est pas bon. Quand le jeu vous donne de la santé, c'est pas bon. La santé et les munitions, c'est encore moins bon, à vrai dire. Par là, voilà. Joli. Putain, il sort de la bulle en haut, là. Oui. Voilà. Oh putain. Ça m'énerve. Menta, psycho. Voilà. Ok, bouton. Oh non. D'accord, c'est une passerelle. Je fais toujours attention maintenant. Par contre, ça pue. On avance vers un destin inéluctable, chers amis. Inévitable. Oh merde. Elle est tombée, chers amis. La porte ? Ouais. D'accord, du psycho. C'est bon signe tout ça, dis donc. Bon. Eh ben écoutez les amis, avant d'entrer dans cette pièce, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien tout simplement dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi y retrouver dans tout comme dans le descriptif de l'épisode un lien vers mon partenaire gamespain.com qui m'a gracieusement fait le jeu. Je vais y arriver, chers amis. Encore une fois, un grand merci à eux, un grand merci à vous pour bientôt les 5K, chers abonnés, chers viewers, pardon, chers amis, tout simplement. Enfin, bref, vous savez très bien comment je vous appelle, mes petits chéris, hein. Je vais tous vous rouler des pelles bientôt. Merci encore à vous, bientôt les 5K. Donc un pouce bleu si vous jamais vous voulez continuer l'aventure avec moi, chers amis, sur en tout cas tous les jeux qu'il y a actuellement sur la série. J'ai fait plusieurs sondages sur la chaîne récemment. J'espère qu'ils... Enfin, j'ai fait ou je vais les faire, tout dépend à quel moment sortira cette vidéo. N'hésitez pas à y répondre. Encore une fois, un grand merci à vous, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.